Solution au problème des dauphins. Il y a 25 dauphins. Et si chaque enfant doit avoir 5 dauphins, y en a-t-il assez pour que les 6 enfants de la table verte aient chacun 5 dauphins autocollants? Rappelle-toi, dans le problème, je te disais que chaque enfant doit avoir 5 dauphins. Donc nous allons entourer les dauphins pour voir s'il y en a assez. On entoure. Alors on avait dit combien de dauphins par enfant? Chaque enfant doit en avoir 5. 5 par enfant, cela veut dire que chaque enfant doit en avoir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5-là, je les entoure, c'est pour un enfant. J'en prends encore 5 pour un autre enfant. 1, 2, 3, 4, 5. Je les entoure, ce sera pour un autre enfant. Pour l'instant, il y en a bien assez pour 2 enfants. Un enfant aura tous ses dauphins. Et un deuxième aura tous ses dauphins autocollants. Il en reste encore. On fait encore des groupes de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je les entoure pour dire qu'ils seront pour un autre enfant. Un autre groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5-là seront pour un autre enfant. Ah, il en reste combien? 1, 2, 3, 4. Donc, il n'y en avait pas 25, il y en avait 24 déjà. Il y a une erreur de décompte. Et donc, 24 dauphins. Est-ce que c'est assez pour 6 enfants? Non. Il y en a assez pour un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Il n'y aura donc que 4 enfants qui auront 5 dauphins. Et comme il y a 6 enfants à la table verte, je crois qu'il y en a 2 qui vont être bien tristes. Comment pourrait-on faire pour que tous les enfants aient des dauphins? Si on en donne 5 par enfant, c'est-à-dire 5 à chaque enfant, il n'y en aura pas assez. Il y a peut-être une autre solution. On pourrait donner moins de dauphins à chaque enfant. Si on donnait seulement 4 dauphins par enfant. Nous allons essayer. Là, nous allons donc essayer de donner 4 dauphins par enfant. 4 dauphins à chaque enfant, pas 5, pas 5, puisqu'il n'y en a pas assez, mais 4. Chaque enfant aura 4 dauphins. Nous allons essayer de voir s'il y en a assez. Alors, par exemple, on pourrait dire que ces 4-là sont pour un enfant. 1, 2, 3, 4. Ces 4-là, 1, 2, 3, 4, pour un enfant. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 4. On entoure ce groupe de 4. Un autre groupe de 4. 1, 2, 3, 4. Ces 4-là, je les entoure, c'est pour un enfant. Un autre groupe de 4. 1, 2, 3, 4. Ces 4-là, je les entoure pour un enfant. Ah, il en reste 4 encore. 1, 2, 3, 4. Je les entoure pour un enfant. Et on va voir combien d'enfants pourront avoir 4 dauphins. Alors là, c'est pour un enfant, 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 pour un enfant. Combien d'enfants alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est parfait. Il y a 6 enfants à la table verte. Donc, ces 6 enfants auront tous 4 dauphins. En reste-t-il? Non. Donc, c'est parfait. Cela tombe bien. À très bientôt!